Bonjour à tous, amoureux de nature, me voici donc de retour pour un second opus. Et aujourd'hui, je ne suis pas en Ardèche, je suis en Australie. Vous pouvez découvrir derrière moi les magnifiques montagnes de l'état de Victoria, hein, dans le sud-est du pays. C'est magnifique. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'introduction, j'adore voyager et j'ai donc créé mon métier pour pouvoir le faire le plus souvent possible. Alors, si vous êtes en quête d'une vie plus satisfaisante, si vous avez envie de vous dépasser pour donner vie à vos rêves, des rêves qui peuvent avoir été oubliés, mis de côté ou alors qui sont inavoués, si vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie, hein, qui soit plus lumineux, plus épanouissant, eh bien, il y a quelque chose d'hyper important qui va devoir devenir un axe majeur de votre vie. C'est devenir votre priorité. Alors, peu importe ce qu'on vous a raconté par le passé, nous sommes les seuls responsables de notre propre vie. Et être responsable veut dire avoir les réponses. Nous sommes les seuls à avoir les réponses pour créer ce que nous désirons dans notre vie. Et ceci, et qu'est-ce que signifie ceci? Ceci veut dire répondre oui uniquement quand on pense oui et répondre non quand on pense non. Si vous ne faites pas cela, si vous pensez que quelqu'un d'autre a les réponses pour vous, eh bien vous laissez une autorité extérieure gouverner votre vie. Vous pouvez vivre en totale harmonie avec une personne, avec les autres, sans dépendre d'eux, sans attendre d'eux qu'ils viennent combler vos propres besoins. Depuis notre plus jeune âge, tous les systèmes établis, qu'ils soient éducatifs, religieux, politiques, médicaux, nous dressent, nous formatent, nous construisent pour que nous devenions dépendants de ce système pour nous faire croire, pour que nous intégrions définitivement que nous ne sommes pas capables de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes, que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais ce qui est bon pour nous. Et ceci est complètement dingue. Nous remettons en fait notre autorité dans les mains d'une autorité extérieure et sincèrement, vous ne devez plus permettre cela. Alors évidemment, quand nous étions enfants, nous dépendions hein, de nos parents, du système éducatif, etc., etc. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, arrivés à l'âge adulte, eh bien, se déguisent simplement en adultes. Ils continuent à être dépendants de leur patron, de leur conjoint, de leur médecin, de leur psy. Et tant que nous continuons à faire ceci, eh bien nous n'avons aucune chance d'aller mieux. Parce que seule une personne qui ressent un besoin peut le satisfaire. Il est de la première importance que vous réalisiez que votre langage intérieur est toujours basé sur les mêmes excuses. Je n'ai pas le choix, je ne peux rien y faire, je n'y arriverai jamais, je ne sais pas comment faire, je ne trouverai jamais de solution. Eh bien, ceci est complètement faux. On peut toujours faire quelque chose, on peut toujours exercer son pouvoir de choix, on peut toujours exercer sa créativité hein, qui réside dans le fait de ne jamais faire deux fois les choses de la même manière. Vous pouvez toujours y faire quelque chose, vous pouvez toujours changer les choses.
Pensez-y, seule une personne qui ressent un besoin peut le satisfaire et personne d'autre. Alors très tôt, on nous inculque que si nous pensons d'abord à nous-mêmes, nous sommes égoïstes et que nous devons absolument nous sacrifier pour les autres. Et certains vont même jusqu'à nous affirmer que c'est le sens ultime de la vie, que le verbe être, au sens d'exister, ne peut être que suivi des mots utiles, nécessaires, serviables, un soutien. Alors, il y a évidemment plusieurs conséquences négatives à cela. La première, c'est que lorsqu'on passe son temps et toute son énergie à s'occuper des autres, eh bien, ça en devient tellement débilitant qu'on finit par se perdre dans la vie des autres. Au final, il ne nous reste plus ni temps, ni énergie, ni parfois moyens financiers pour nous-mêmes et pour pouvoir réaliser ce que nous désirons dans notre vie. En second lieu, cette idée du service devient un piège parce que on se croit totalement altruiste, mais en fait, on devient dépendant de l'appréciation, de l'affection, de la reconnaissance des autres. C'est comme s'il y avait une corde qui était attachée à cette aide et sans nous en rendre compte de manière inconsciente, eh bien nous attendons quelque chose en retour. Au final, on en arrive à secourir les autres contre leur volonté. On donne des avis, des conseils qui ne sont même pas demandés. On usurpe leur pouvoir, on leur enlève leur autorité. Et ici, il y a quelque chose d'hyper important à ne pas perdre de vue, c'est que la vie est constant enseignement. Jour après jour, elle nous apporte des défis, des challenges à relever. Et si nous nous précipitons pour aider, pour secourir la personne, sans qu'elle nous demande de l'aide, eh bien nous lui enlevons sa motivation à trouver une solution à son problème. Nous ne devons intervenir que si une aide est demandée. Et encore, dans certains cas, nous pouvons nous abstenir. Pour continuer, j'ai mis mon typique chapeau australien parce qu'ici, même en automne, il fait très très chaud et le soleil tape très fort. Si vous voulez avoir suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir réaliser la vie que vous désirez, pour pouvoir créer la vie de vos rêves, eh bien, le nouveau mot d'ordre doit être les premières priorités d'abord. Alors évidemment, vous pouvez poser des gestes gratuits, juste pour votre propre satisfaction intérieure, pour un enfant, pour une personne moins nantie, pour notre belle planète, mais uniquement pour votre plaisir. Ceci ne doit jamais vous desservir et vous ne devez jamais le faire à contre-cœur. Et puis, il y a une chose importante à ne jamais oublier. Nous focaliser sur les autres, passer tout notre temps à nous occuper d'eux, à faire les choses pour eux, n'a jamais eu qu'un seul et même résultat, nous détourner de nous-mêmes.